Alors, suite du programme. Donc, standard de Gershwin, c'est fait. Alors, apprenez à utiliser les outils informatiques. Donc, alors j'ai lancé ça déjà la semaine dernière et je vous en reparle là puisque je vais prendre une décision. Enfin, je prendrai la décision début mars, mais jusque fin février. Voilà de quoi je veux vous parler. C'est qu'en fait, j'ai remarqué que vous étiez plusieurs à avoir du mal à utiliser les outils informatiques. Donc, je parle pas de programmation, de choses très très complexes en informatique. Enfin, quoi que certains trouvent déjà assez complexe, mais je vous parle de tous les outils qu'on utilise pour accéder aux formations d'harmonica, tout ce qui nous permet de communiquer entre nous. Pour vous là ce soir, bah, peut-être pour vous c'est pas très difficile. Et puis il y en a qui galèrent vraiment. Ne serait-ce que certains me disent, mais j'aimerais bien mettre un petit commentaire sous votre vidéo, je sais même pas comment faire, j'arrive pas, je comprends rien. Comment on fait pour accéder? C'est quoi? Il y a un mot de passe? Enfin, à quel moment je le mets? Enfin, il y en a qui sont vraiment largués qu'avec ça, un copier-coller. Il y en a qui savent pas ce que c'est. Donc, je peux comprendre. Hein, c'est on s'est servi, enfin, la plupart d'entre nous se sont, enfin, ont vécu sans avoir besoin forcément d'informatique. Et puis, sauf que maintenant, là, ça devient quand même indispensable. Et puis, bah, surtout pour suivre évidemment les formations en ligne, si vous êtes largué en informatique. Alors, du coup, il y a certains qui me disent, bah, c'est dommage, j'apprécie ce que vous faites, mais comme l'informatique, ça me fait peur et j'y connais rien du tout, s'il faut que je repasse par une formation à 3000 euros pour me servir, parce que ça coûte ça, hein. Généralement, les formations d'informatique, pendant une semaine, ça coûte 3000 euros. Ok, vous apprenez plein de trucs, mais s'il faut passer par une formation à 3000 euros pour pouvoir accéder ensuite à des cours, enfin, je veux dire, à ce moment-là, et encore, les cours sont en français, parce qu'imaginez, vous pourriez aussi apprendre l'informatique, apprendre l'anglais, puis ensuite accéder aux cours. Parce que je veux dire, c'est que ça fait forcément plein d'obstacles. Et du coup, c'est ce qui fait que, bah, certains se disent, trop, trop difficile pour moi, je fais pas, quoi. Donc, en fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est vous faire une formation. Donc encore une fois, c'est pas une formation en informatique en général où je vais parler de tout, enfin de tout ce que je connais en informatique, sans aucun intérêt pour vous. Ce que je vais vous apprendre, c'est bah, des choses qui vont nous permettre de communiquer ensemble, c'est-à-dire répondre à un email, envoyer une pièce jointe dans un email. Ça peut être accéder à la chaîne YouTube, comment s'enregistrer, comment s'abonner, comment aller dans les cours, comment naviguer dans l'espace membre, enfin tout ce qui a trait à l'informatique et que vous avez du mal à faire. Mais comme je veux pas faire une formation en me disant, tiens, peut-être que je vais reparler de ça, peut-être que je vais parler de ça, peut-être que je vais oublier des trucs, peut-être qu'il y a des choses que je vais faire en trop. En fait, j'ai préparé un questionnaire. Donc, attendez. Donc, le questionnaire, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le lien dans la fenêtre de discussion et je vais le mettre également sous la vidéo pour la rediffusion. Voilà. Tac, c'est questionnaire informatique. Donc, on peut aller voir ça ensemble. Donc, je le mets dans la fenêtre de discussion. Voilà. Et on va regarder tout de suite ensemble ce que c'est. Voilà. Donc, vous voyez, il n'y a pas grand-chose, il n'y a que 6 questions. Mais moi, ça me suffira. Donc, je rappelle de vos coordonnées. C'est toujours intéressant de savoir où vous en êtes et qui vous êtes. Et puis, en fait, il faut cocher les cases qui correspondent aux actions que vous savez faire. Donc, vous allez voir, il y a quelques actions de base, on va dire. Si vous savez faire tout ça, tant mieux. Si vous ne savez pas, bah, ça me donne déjà une indication de ce que je peux vous apporter. Et puis la dernière question, c'est qu'est-ce que vous ne savez pas faire en informatique et que vous aimeriez apprendre à faire? Peut-être qu'il y a d'autres choses qui vous gênent et vous dites, là, franchement, je suis complètement largué. Bon, on en a déjà parlé, mais franchement, je connais rien du tout. Et donc, bah, vous me l'indiquez, comme ça, moi, je reçois toutes vos réponses. Et à la fin du mois de février, il faut bien trouver voilà, une date, hein, pour récolter toutes les infos et puis commencer la formation. Fin février, je regarde tout ça et puis je pense qu'au mois de mars, peut-être, je ferai la formation, je vous en parlerai à ce moment-là. Mais l'idée, c'est ça, c'est que ça parle de vos problèmes à vous et pas simplement d'une formation comme ça généraliste, comme on voit souvent en informatique. Hein. Moi, j'ai eu l'occasion, il y a très longtemps, enfin, avant d'être professeur de musique à temps plein, j'ai travaillé dans une entreprise, rien à voir avec la musique d'ailleurs. Alors moi j'ai toujours été, enfin, il y a des choses que j'ai appris à faire en informatique, notamment pour ce qui est de gérer des sites, etc. Ça, il y a 3 4 ans, je ne connaissais pas grand-chose. Mais pour ce qui est de l'utilisation de l'informatique, j'ai appris ça depuis tout petit, puisque mon père était informaticien. Donc comme Obélix qui est tombé dans la marmite, moi je suis tombé dans la marmite de l'informatique. Je faisais mes premiers programmes informatiques à l'âge de 7 ans. Donc c'est quelque chose que voilà, pour moi le rapport à l'informatique, c'est un rapport très direct depuis très longtemps. Et donc, mais j'ai dans l'entreprise dans laquelle j'étais,
il y avait deux services. Enfin, moi, j'étais responsable d'un service, mais il y avait mon bureau et puis le bureau de mes de mon équipe, en fait, qui était sur le même plateau. Et je voyais bien qu'ils galéraient vraiment avec l'utilisation de l'informatique, notamment Excel, le tableur Excel. Enfin, franchement, c'était complètement largué. Et puis bon, moi, j'avais pas le temps de leur faire une formation là-dessus, quoi. J'avais vraiment beaucoup, beaucoup trop de travail à côté. Et j'en ai parlé au patron, qui m'avait dit, bah ok, on va faire ça. Effectivement, ça c'était vraiment indispensable. Et donc, il avait prévu 3 jours de formation, mais c'était trop dur, quoi. En fait, le problème du formateur, c'est qu'il a appris, il a essayé d'apprendre tout ce qu'on pouvait faire de possible imaginable sur Excel, quoi. Mais sauf qu'il y a 80% des choses qu'il enseignait qui servent pas, quoi, parce qu'en fait, ils avaient besoin de quoi? Ben, ils avaient besoin de créer des tableaux, quoi, puis de faire des calculs dans les tableaux, et pas de faire des graphiques, des histogrammes, des camemberts dans tous les coins, et puis de lier ça avec Internet, et puis je récupère des infos d'Internet, et je fais des statistiques, et je renvoie. Et en fait, donc, ils ont fait donc ces 3 jours de prise de tête, et en plus, ils pratiquaient rien du tout. Donc, le gars faisait la démonstration, je fais ci, je fais ça, etc. Moi, je regardais ça, je dis, oh, les pauvres, elles vont, enfin, je dis elles parce que c'était que des femmes. Elles vont, oui, j'étais bien entouré. elles vont rien piger, elles vont rien capter. Et à la fin, elles avaient un gros bouquin de stagiaires. Et à la fin, il y en a une qui, enfin, après les 3 jours, qui vient me voir et il me dit, bon, j'ai lancé Excel, mais vous pouvez m'expliquer comment on fait pour faire ce calcul-là? Ben, j'ai une simple somme, quoi. Mais ça, elles avaient déjà ça, elles avaient pas compris, elles avaient pas capté, elles l'avaient jamais fait. Et pour elles, c'est trop difficile, quoi. Donc, je me suis dit, bah, je vais devoir refaire la formation à la place. Enfin, voilà, le problème de formation, c'est souvent ça. C'était très généraliste. Et le gars, il vous enseigne tout ce qu'il sait, quoi. C'est comme si je vous disais, écoutez, vous voulez faire de la musique, je vous enseigne tout ce que je connais en musique. Bah, là, il y a 90% qui ne vous serviront à rien, puisque comme je fais aussi du piano, j'écris aussi pour des orchestres, et puis, etc. Enfin, je ne veux pas vous enseigner tout ça, ça ne vous intéresse pas, quoi. Je ne vais pas vous apprendre comment écrire pour la 4e corde du violon ou comment écrire pour un sextet de jazz, alors que vous, ce qui vous intéresse, c'est l'harmonica. Donc, c'est bien souvent le problème. Donc, moi, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de faire la même erreur. J'ai envie de partir de vos problèmes, de vos ennuis, de ce qui vous empêche de dormir la nuit. Et puis je ferai une formation. Évidemment, ce sera une formation quand même pour tout le monde. Je vais pas faire une formation pour chacun. Mais une fois que j'aurai les infos de ce qui vous gêne et ce que vous avez besoin d'apprendre, ben, je ferai une formation là-dessus. OK? Voilà. Très bien. Alors, la suite du programme.